Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour un nouvel épisode, le 10e me semble-t-il. Enfin le 10e d'ailleurs. Équipe-né. T'es où? Ah, J'avais pas... Oh là là. Eh ben, écoute, on va suivre la route, hein. C'est parti. C'est bien. Donc là, on va à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui va se pousser? Oh, c'est moi qui me pousse. Hors de mon chemin. En plus, on se pousse, tu vois. Il roule à gauche en Égypte? Non, je sais pas. Je sais pas du tout, ouais. J'ai l'impression que bah, j'ai pas beaucoup d'FPS, mais que je sois en qualité ultra faible ou à fond, j'ai pas beaucoup d'FPS. Tous les écrits doivent être copiés par la grande bibliothèque. Je ne te laisserai pas. J'imagine que les œuvres d'Archimède, Platon, Sappho et Aristote. Ah. Bon, on va faire un truc simple. Non, je vais descendre. Il faut s'appuyer. Alors, oh là là, faut que je me remette avec les touches. Ouh là là, pas du tout, pas du tout. Calme-toi. C'est quoi les touches? Oh putain. Voilà, c'est pas ça. Je ne sais plus sauter, c'est quand même un truc de ouf. Sauter. C'est halt pour escalader en haut, d'accord. Bah ok. Pas pratique du tout, mais... Ouais, bon bah calme-toi, un moment. On va s'arrêter, descendre, c'est... Voilà. En plus, ça servait à rien, génial, parce qu'il fallait rentrer. Raté. Je vais aller descendre, voilà. Allez, c'est bien, tu t'es broyé les jambes. Bon, le gameplay... J'essaye clavier souris, j'essaye de changer avec le... comment, la manette et au final... En effet. Comment vais-je trouver Aya parmi tous ces goûts? Des idées très intéressantes. D'accord, bon, elle était comme ça, la bibliothèque. Ça en est presque inquiétant. Je suis bien de ton avis. Et surtout, il devrait se montrer plus concis. Lieu terminé. Cool. Dégage, comment on l'a jarté? Très bien. Sarapis. Et maintenant? Où est Aya? Ah, Sarapis. J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. Ah. Tu es Bayek, hein? Aya a hâte de te voir. Elle va bien? Vite, suis-moi. Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être saoul. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Putain, sérieux? Elle se cache. Qui es-tu? Ah, tu t'intéresses au verre d'Homère, hein? Par ici, viens! Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah oui, Phanos. Ravi de te rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas? Génadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Génadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment? J'ai un ami très puissant, Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Non, jamais. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, il t'expliquera tout. Merde. Il range tes armes. À chaque fois, j'appuie sur Shift pour courir, mais... Oui. Regardez, c'est Phanos. Il se prend pour un poète. Le Sophocle des temps modernes. D'accord. Je ne vais pas plus loin.
Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. Elle est où la porte? T'es sérieux? Bon bah... C'est par là. Fais-moi confiance. Oui. Alors, c'est... Ça sent le truc pourri quand même, hein. Oh la vache! Oh putain! Ah oui, halte, putain! Ça fait les riboulades. C'est trop chiant, trop chiant. Alors, ah puis en plus, j'arrive pas à me positionner avec ma souris, si ça y est. Ah, connectons. Ah, bon bah, connectons pas. Tu m'as manqué. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans Kemu. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. J'ai des nouvelles. Les cicatrices de la justice. Ah. Je m'en suis servi pour frapper Medunamun. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. Bon, à la base... Oh, qu'est-ce qu'ils font ? Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant ? Il a des informateurs partout, parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre ? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle compte reprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça. Pour lui ouvrir la gorge. Tout simplement. Oh oui, c'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Ingénieux. Ah. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le sceau du serpent. Et je me servirai de ceci. Bim. Alors. Beaucoup de choses dans le bureau royal. Il passe le plus clair de son temps au bain. Fouille le palais en son absence. Et toi? Je dois rester ici tant que Genadios surveille les rues. Il est décidé à me tuer. Je vais m'occuper du serpent. Voir ce que je peux tirer de ce Genadios avant de le faire taire. Découvre qui est le serpent. Qu'est-ce que c'est? Un chemin qui mène au quai. Je n'arrive pas à croire que Phanos t'ait fait passer par la fosse. Ok. Découvre qui est le serpent et montre-lui le visage de la mort. Je te retrouverai au Panéon lorsque tu auras tué le serpent et Genadios. Mon cœur se languit déjà de te revoir.
Le mien aussi, mon amour. Ok. Du coup... Ah, merde, j'en ai marre d'essayer de courir. Qu'est-ce qu'on cherche, voilà. Donc là, on a trouvé... On a quoi comme quête, déjà? C'est pas ce que je voulais, c'était ça. On a quoi? Aya. Bayek. Ok. Assassiner Genadios. Et là, Genadios. Aya doit rester cachée jusqu'à la mort de Genadios. Ok. Donc, trouver et assassiner Genadios, ça me va. Aptitude. On a gagné de l'aptitude, on a 3 points. On a dit qu'on allait sur quoi? Je sais plus. Meurtre discret. Meurtre avec outils. Ah oui, fléchette et tout. Augmentation du prix de vente. Ah. D'accord. Permet d'évacuer. La vache, j'ai du mal à le dire. Recycleur de flèches permet de placer dans votre inventaire les flèches plantées dans votre bouclier. Et tuer un ennemi d'un tir dans la tête rapporte des XP bonus. Ça peut être pas mal. Ça m'intéresse aussi. Allez, vas-y. Ça coûte 1. Et on a le droit à quoi d'autre? Vendeur ou décomposition. Contaminer le voisin, ok. Franchement, j'en sais rien. Permet d'évacuer un des conducteurs ennemis lors d'une monture et d'en prendre le contrôle. On verra plus tard. On est à 0 sur 78 et on est pas mal. Putain, les trop de bruit. Équipement, on a quoi? Légende. Ok. Retour, c'est échappe. Ah oui, on a mieux. En arc, on n'a pas mieux. Tenue, on s'en fout. Là, j'aime bien ma monture. Il faut débloquer pour le flèche soporifique. On a quoi d'autre? Rien. En bouclier, non. Ah ouais, bah oui. Ça, on équipe. On l'a ou pas? Épinglé. On l'a épinglé, il est où? Augmente les dégâts de cac, d'accord. Détaché, épinglé. Ah oui, c'est... Non, bah non, je sais rien. Je vois. On Osef. Du coup, nous, faut qu'on aille là-bas. Et c'est par où la sortie? Sans déconner. La seule... Mais non, mais là... Non, il y a une autre sortie. Ça, c'est la sortie pourrie, ça. Ah, bah, j'ai bien fait de me perdre. Ah, bah, voilà. Raté. Équipement. Bouclier, je crois, on avait un. Et bim, bouclier en bois. Bah voilà. On est 3 jours par contre. C'est très long le clic. Ah merde, j'attendais la fin de la cinématique moi. Ah pardon. Voilà. C'est X, hein. Voilà. Iliorim. Oh, 500. Oh, c'est super loin. Oh là là. Get out!
De toute façon, gamin. Et t'as vu l'heure là, mais va te coucher. Il est quelle heure? Il est 11, je sais même pas, on voit. Il n'y a pas d'heure d'affiché. En même temps, on n'a pas de montre à cette époque-là. Poste de garde mur sud. Un petit peu d'XP. De toute façon, on est à 2 levels en dessous. Faudrait faire des petites quêtes. Faudrait trouver les petites quêtes annexes en fait. Un peu partout. Bon, pour l'instant, le gameplay ne plaît pas du tout. L'histoire est pas trop mal. Le monde est énorme. Voilà. C'est un truc de ouf. C'est le Nil, du coup, si je dis pas de bêtises. Hein. Alexandrie, bonjour. Voilà, on marche un peu. C'est super grand. Ouais, c'est ça, c'est nul. Je viens de demander à Martine. Je viens de regarder sur Martine. J'ai eu un vieux doute à un moment. J'ai l'impression qu'on fait des détours là. On va tourner un moment, comment ça se passe? Non mais on va arrêter les frais là. Non. C'est quoi? C'est virgule pour manger. C'est pas virgule. C'est point d'exclamation. C'est juste super relou. V pour appeler c'est nous. Nouveau lieu découvert. Zone interdite. Bah on va appeler c'est nous. C'est nous. C'est nous. Ah. C'est quoi pour ralentir? C'est... Non. Ah voilà. Il est là. Ok. Se soulage. J'aime ce concept. Par contre, ma souris est hyper sensible, c'est un truc de ouf. En captivité. Bon bah écoute. Ah putain. J'ai du vraiment du mal. Alors, on va rappeler c'est nous. Quand tu veux revenir, par contre. Eh bien, maintenant qu'on est là, je vous propose, on s'arrête pour cet épisode et on se donne rendez-vous pour un autre, hein? Ouais, on va finir un peu plus tôt. Allez, ciao tout le monde!